Carrefour La Vie de Cocody, lieu emblématique de la commune. De nombreux étudiants et travailleurs s'y rencontrent chaque jour. Ange, élève en classe de terminale, vient y prendre un gbaka pour Yopougon. Au soir du 7 décembre, elle se retrouve confrontée à une situation inhabituelle. Surprise, la jeune lycéenne raconte son inquiétude. Je constate qu'il n'y a plus de gars. Deux mois, j'étais choquée, ça m'étonnait. Et puis, ici, ça nous arrange pas. Après, eux qui étaient ici, eux qui étaient l'école là-bas, pour partir jusqu'au fond là-bas, ça nous arrange pas, pour chez moi. Et ici, c'était plus facile, en côté, pour partir à Moscou. Comme ça, mais même me renseigner, c'est où il y a pas de bataille pour parler à Moscou. Notre grande surprise, la gare était délocalisée. Wow. On ne voit même pas les bacs, donc on attend peut-être les bus pour prendre. On ne sait pas ce qui se passe, on voit la police, c'est un peu inquiétant. Donc on espère qu'ils vont nous donner plus d'informations là-dessus. Ange et Marie ne sont pas les seuls à vivre cette situation. Personne n'est épargné. Les salariés, eux aussi, témoignent. Pour moi, c'est un problème parce que je ne sais pas comment j'ai fait tout à l'heure pour rentrer à la maison. Je ne connais pas ça d'abord. Donc je vais voir et puis je vais voir la situation. S'il faut décomposer pour arriver à Djamé et puis prendre maintenant la voiture là-bas pour aller à Yopougon. C'est ce que je m'avais voir comme ça. Maintenant, c'est possible, je vais le faire. S'il y a un coin où on nous indique pour prendre une voiture directement pour aller à Yopougon, je vais le savoir aussi. Mais seulement, bon, nous les clients, les riverains d'ici là, on n'a pas été avertis que non, ça devait être comme ça. Et c'est ça qui gêne un peu. Face à cet état des lieux, élèves, étudiants et travailleurs espèrent plus de précisions sur la question de ce décarpissement. En attendant que les autorités se prononcent sur la question, voici le nouveau décor de cette gare de la vie.